Est-ce que jouer en hardcore sur Minecraft Bedrock vous intéresse? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à vous, je suis Pépito, et aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer en hardcore sur la version Bedrock de Minecraft. Juste avant de passer au tutoriel, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, et par la même occasion, activer la petite cloche des notifications, comme ça vous ne manquerez rien dans le futur. Maintenant que c'est dit, passons au tutoriel. Nous allons commencer par nous rendre sur un site qui s'appelle MCPEDL. Une fois écrit dans la barre de recherche, c'est le premier lien. Une fois arrivé sur le site, nous allons nous diriger vers la barre de recherche juste ici, puis écrire Hardcore Mode Add-on. Nous avons une panoplie de publications qui vont apparaître, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Nous allons cliquer dessus. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous n'aurez même pas à faire tout ça parce que le lien va être directement en description. Donc quand vous allez cliquer, ça va directement vous amener ici. Ici, nous avons la description de la donne. Puis un peu plus bas, nous avons un lien de téléchargement. Nous cliquons dessus. Et là, ça nous amène sur Link Vertize. Ça, c'est la plus grande phobie des joueurs Bedrock qui veulent télécharger un mod. Tout simplement parce que à partir de ce site, c'est très compliqué. Mais moi, j'ai mes propres techniques. Donc si jamais vous avez du mal à obtenir le fichier de téléchargement, et bien dans la description, il y a un deuxième lien qui vous amène vers cette page où je suis présentement. Donc une fois sur cette page, nous allons cliquer sur « Download ». Puis maintenant, nous allons nous rendre dans l'explorateur de fichiers. Nous allons nous rendre dans « Téléchargement ». Et ici, on devra avoir un petit fichier « Hardcore Mode ». .mcaddon. Faites attention, c'est important que ce soit un fichier .mcaddon. Si c'est un autre type de fichier, ça ne marchera pas, mais normalement, si vous suivez ce que j'ai fait, ça va vous mettre le bon type de fichier. Puis une fois que vous avez cliqué, ça devrait vous amener sur le jeu et ça vous devrait vous mettre une petite barre juste en haut. Bon, maintenant, suivez bien, ça va aller très rapidement. Nous allons aller dans Jouer, créer un nouveau monde. Nous allons descendre jusqu'à Pack de comportement. Nous avons tous les packs ici. Celui qui nous intéresse, c'est celui que nous venons d'importer, Hardcore Mode by Lucky. Nous allons l'activer. Dans les packs de ressources, normalement, dans le actif, nous avons aussi le Hardcore Mode by Lucky. Maintenant, vous n'avez qu'à appeler votre monde comme vous le voulez et vous faites créer, tout simplement. Vous voyez, on a les cœurs de Hardcore. Et là, on va faire un petit speedrun pour crever bien rapidement. Et maintenant, on va faire le test pour voir si on meurt. Donc, on peut voir que j'ai fait une terrible chute. Je ne peux pas respawn. Je peux seulement aller en mode spectateur ou aller au menu principal. Donc, on va aller en spectateur. Donc, voilà, nous sommes une petite tête flottante dans ce malheureux monde.